Je suis Jérémy Haro, j'ai 39 ans, je suis né à Dourdan, pur Dourdanais de souche, quoi. C'est la troisième génération qu'on est ici. Voilà, je cultive 150 hectares à Dourdan, à Sermaise, à Rouenville aussi. Je fais principalement du blé, du colza, de l'orge d'hiver, du maïs et du seigle. Alors on est à la ferme des Jalots, à Dourdan. On est un peu excentré de Dourdan, on est à 3 km du centre-ville. Et on est sur le plateau entre les granges, marchés. Donc je suis agriculteur. Le principe, on sème des graines et on les récolte au bout de 10 mois. Pour faire soit de la farine, pour faire du pain, de l'orge, on fait de la bière avec. Enfin. Alors, j'ai fait des études classiques jusqu'au lycée. Après, j'ai fait un BEPA, un BEP agricole. Après, un bac pro agricole à Chartres, à la Saussée. Après, j'ai fait une formation en mécanique agricole aussi, au Mans. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans des fermes aux alentours, à Châtillon-Ville, à Autons-la-Plaine. Et j'ai repris la ferme de mes parents en 2007. Donc, ça va faire 14 ans maintenant. Je cultive en tout 150 hectares, donc je suis tout seul. J'ai mon père qui me donne des coups de main de temps en temps, heureusement. Après, soit j'en stocke une partie que je revalorise après selon le prix de vente, quoi. Le reste, on le vend à la moisson principalement, une coopérative qui est sur la route d'Autons-la-Plaine, au Trouvillé, ça s'appelle. Donc, je vends toutes mes récoltes là-bas, quoi. Après, c'est pareil, c'est la COPE qui gère ça. Enfin, on fait principalement quand même pour la farine, farine de pain, biscuits, et puis voilà, oui, c'est tout, ouais. Ouais. Le petit plus, on va dire la liberté, quoi. C'est ça. Pas de patron, prendre les décisions soi-même, pas de circulation le matin, pas de problème de route, d'embouteillage, enfin voilà, puis travailler dehors, pas t'enfermer entre quatre murs, bon ça c'est pas mal quand même. Ouais, c'est une belle liberté. Ouais. Plus ça va, plus ça devient compliqué parce que bon, je suis en conventionnel, donc je suis pas en bio. Et le regard, enfin l'opinion publique, ça devient gênant, beaucoup, ouais. De plus ou moins réussir ce que je fais, quoi, à peu près, voilà, c'est déjà pas mal, mais bon, on fait ce qu'on peut, on n'y arrive pas, tant pis, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes, quoi. Après, il y a les aléas du temps, la sécheresse, les inondations, c'est un peu compliqué, mais ça, on n'est pas très... Enfin, on peut pas gérer ça, quoi. Donc, on fait avec, quoi, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Ah oui, puisque comme je disais, c'est la troisième génération, donc c'est mon grand-père qui est arrivé ici, j'ai repris la suite de mon père, j'ai repris la ferme familiale et j'ai repris d'autres terres aussi du côté de Sermaise, en Rouenville. Donc, ça m'occupe pas mal, ouais. Puis je suis assez fier, ouais. Ouais. Donc, le message de fin, ça serait de laisser les agriculteurs faire leur boulot gentiment, leur faire confiance,